Bonjour, je me présente Yann Lambert-Pajot, gestionnaire comptabilité et services financiers chez Zou. Merci à toutes et à tous pour votre présence à cette conférence Aparté présentée par EY. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une conférence avec Martin Klein, fondateur d'Audio Kinétique, sur le thème des alliances en affaires et de l'importance d'aligner sa vision et ses valeurs avec ses partenaires. Avant de céder la parole à notre modérateur Patrick Dastou, associé chez EY, je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir tous nos autres événements hebdomadaires à venir. Et maintenant, à vous, Martin et Patrick, bonne conférence. Bonjour à tous, mon nom est Patrick Dastou. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin ou ce midi. Moi, j'ai connu, c'était en plein été 2005, je m'en souviens parce que c'était ma journée juste avant que je prenne les vacances. Je me reçois un appel un matin comme ça. Il y a quelqu'un qui voudrait me rencontrer pour me parler de financement. Et puis, on ne se connaît pas, ni une ni deux. Je m'habille, je pars, je marche, je me rends dans le Vieux-Montréal, puis j'arrive à son bureau. Une compagnie qui était inconnue pour moi à ce moment-là. Puis quand je suis rentré dans le bureau, la première chose que je vois, premièrement, typiquement dans la start-up, le bureau est trop petit pour le nombre de personnes qu'il y a dedans. OK? Puis mais il y a une ambiance chaleureuse. C'est pas comme les bureaux épurés de maintenant, tout blanc, là. C'était de la brique. Il y avait beaucoup de personnes qui se parlaient, qui avaient l'air d'avoir une camaraderie. Tout le monde discutait. C'était technologie, mais aussi ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un sens artistique à toute cette ambiance-là. Et puis, c'est la première impression que j'ai eue avant de rencontrer Martin. Et puis, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts là, depuis tout ce temps-là, puis il a déménagé, puis il y a tout ça, il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais à chaque fois que je vais au bureau encore, j'ai encore ce sentiment-là. Camaraderie, art et technologie, qui sont se retrouvent tous ensemble dans le package qui est Audio Kinétique et son équipe. Fait que voilà un peu le concept ou le contexte de Martin, mais parlons un peu de l'homme. Donc, Martin, c'est un artiste, mais qui a découvert la technologie assez rapidement dans son métier. Il a été producteur, il a été éditeur, il a été arrangeur, je vais tous les nommer parce qu'il y en a une liste sans bon sens, autant dans le domaine de la musique que dans le cinéma. Puis, à un certain moment donné, ben moi, je pense que c'était naturel pour lui, là, il s'est joint à Ubisoft parce que les jeux vidéo, ben, dans les années 90, ça prenait de l'ampleur. Puis les AAA, comme on les appelle, les jeux de grande envergure, ben, c'était des choses où la cinématique, le son était de plus en plus important. Puis je pense que Martin fitait très bien là-dedans. Après quelques années, il s'est dit, ouais, le son est encore plus important. Puis les jeux étaient mal équipés à ce moment-là. C'était un problème d'exécution, de mémoire, de choses, mais aussi de gestion du son, gestion des éléments de son. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va faire qu'un producteur de jeu, ça va faciliter beaucoup son travail? Puis c'est là-dedans qu'il s'est lancé. Donc, depuis ce temps-là, il roule sa bosse. Depuis ce temps-là, il a monté cette compagnie-là au point où il est peut-être, il est sûrement la plateforme la plus reconnue dans les jeux AAA. Il va sûrement vous en dire bien plus avec sa présentation. Alors voilà, sans prendre plus de temps, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Martin H. Klein. Merci Patrick et merci Yann pour l'invitation. Ça me fait plaisir aujourd'hui de me joindre à vous pour parler premièrement de mon parcours professionnel, mais en même temps de cet incroyable parcours d'une entité aujourd'hui à part entière, qui après 21 ans est devenue majeure et qui s'appelle Audio Kinétique. Pour vous mettre en contexte, et Patrick en a parlé justement, moi je suis rentré après 15 ans de production audio, je me suis retrouvé chez Ubisoft à la direction du département de l'audio en tant que directeur audio et producteur exécutif. Et puis, à ma grande surprise, je me suis aperçu premièrement que l'audio n'était qu'une commodité. Et par contre, qu'on avait des budgets aussi grands que dans le film, mais le retour sur l'investissement n'était pas là. Fait que je me suis assis avec des gens et j'ai dit, écoutez, on a deux choix. On a le premier choix de dire, on réduit les budgets et on continue à faire ce que vous faites, mais votre mandat, quand vous m'avez engagé, c'est de pousser l'expérience plus loin pour l'usager. Fait que donnez-nous des moyens de mettre une équipe en place et de développer les choses.
Et puis, il faut comprendre qu'à cette époque-là, justement, dans les jeux, on parlait d'avoir à peu près 400 sons. Et puis, comme je disais, c'est une commodité. Mais on était beaucoup plus ambitieux que ça. Puis, à cette époque-là, j'ai eu la chance de travailler avec un jeune homme hyper intelligent qui s'appelle Simon HB. Ça nous a permis, justement, de pousser les frontières pour développer l'audio. Et se retrouver en 2000 après la production de 4 titres chez Ubisoft et que Ubisoft avait été reconnu pour la qualité de son audio. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, est-ce que cette problématique-là, ce n'est pas une problématique, mais c'est vraiment un besoin de l'industrie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter pour fonder Audio Kinétique. Fonder une entreprise, c'est une grande tâche. La première chose, quand justement on fonde une entreprise, c'est un organisme qui est vivant. C'est un organisme qui se transforme, qui s'adapte, mais qui doit être mis sur une fondation qui va rester pour toujours et puis qui est composée de 3 éléments. Les éléments, justement, c'est sa vision, sa mission et ses valeurs. Et nous, dans notre vision, justement, juste vous dire, quand j'étais chez Ubisoft au début, juste changer le volume d'un son, ça pouvait prendre 4 jours. Parce que je m'adressais à un informaticien, il faisait des changements, et puis après ça, il fallait qu'on compile, et puis là, ben 4 jours plus tard, on revenait et on dit c'est fait. Mais là, quand tu as 8000 sons dans un environnement à faire, tu fonctionnes comment? Fait que l'idéal pour nous autres, c'était de bâtir un outil qui va justement s'adresser à des gens d'audio, qui va leur permettre de travailler sans avoir de limitations, sans avoir de dépendance et d'être capable de faire à plus que 90% toutes leurs tâches pour justement permettre d'élever le niveau de facture d'un jeu. Ça, c'était vraiment chose. En même temps, aussi, une entreprise, il faut comprendre que le cœur d'une entreprise, c'est les gens qui la composent. Fait que d'établir des valeurs, c'est hyper important. Et puis, je pense que Patrick en a parlé, justement, merci. Pour nous, c'est extrêmement important, la culture qui s'est bâtie chez Audio Kinétique. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ce qu'on est. Après ça, justement, dans notre vision de bâtir un produit, justement, c'était WISE. WISE, c'est quoi exactement? C'est un outil de création qui permet la création, l'intégration et la gestion de l'audio dans une application interactive qui est composée de 2 façons. C'est que tu as une application qui est le Turing Tool qui permet à l'usager de faire toute la création de l'environnement. Et tu as aussi le moteur sonore qui permet justement après ça, dans l'application, de gérer tous les événements. Je vais vous ramener sur, justement, les dates importantes dans la création d'Audio Kinétique. Une leçon que j'ai apprise, parce que j'ai été en production longtemps, c'est que la chose la plus importante quand on veut établir quelque chose, c'est la pré-production. J'ai passé 3 ans entre 2000 et 2003 avec un comité de 7 personnes qui vient du domaine du film, du jeu et de l'informatique, à établir et à larguer les bases de qu'est-ce qui devait être justement cette solution-là qu'on voulait offrir au marché. Et c'est à la suite d'avoir été approuvé par le Centre de recherche nationale comme technologie innovatrice qu'on a ouvert nos bureaux en 2003. Le défi commençait. Oui, pour nous rendre à terme avec une première version, on avait besoin de 35 personnes. Comme Patrick disait, dans des lieux qu'on avait justement très, très confinés. Et en même temps aussi, ça prenait du financement parce que c'est sûr que c'est pas le premier jour après le lancement qu'on allait s'assurer qu'on pouvait avoir du revenu immédiat pour garder tous ces gens-là. Fait que le grand parcours entre 2003 et 2006 a été justement de financer aussi cette entreprise-là. On a dû lever 11 millions pour arriver à terme. Et en même temps, la chose la plus importante, et ça on va le voir parce que dans tous les secteurs dans lesquels on travaille, c'est d'établir des partenariats stratégiques avec des gens pour nous permettre de comprendre les besoins et de s'assurer ces choses-là.
Notre premier partenaire stratégique a été justement Microsoft Game Studios, qui nous a permis en 2006 de lancer le premier titre avec Wise. Dans ce parcours-là, jusqu'en 2010, justement, ça a été quand même un parcours complexe parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent évaluer une technologie comme ça vont prendre entre 30 et 60 jours. À l'époque, on prenait un titre, c'était 12 à 24 mois. Mais on a quand même été capable, jusqu'en 2010, de se rendre à 100 titres qui avaient été lancés avec Wise. Et pour moi, depuis 2006, une des choses les plus importantes aussi, c'est qu'il y avait un autre territoire qui est le Japon, qui était le deuxième, berceau du jeu vidéo, dans lequel il fallait absolument s'attaquer pour être sûr qu'on pouvait pénétrer ce marché-là. Fait que dès 2006, on a commencé justement à aller au Japon et établir des bases avec des gens pour justement arriver à la création en 2013 de Audiokinetic Kaka, qui est une entité, qui est une filiale d'Audiokinetic, et puis c'est ça. Et après ça, ce qui était important, on sentait qu'on était en train d'établir un standard dans l'industrie. C'était vraiment pour nous de regarder, parce que dès le début, dans notre vision, on se disait, oui, le jeu vidéo, et ça restera toujours parce que c'est notre secteur primaire, mais on savait que l'interactivité allait grandir. Et on s'est dit, ben dans quel secteur naturel on peut appliquer ce qu'on fait aussi. Et dès 2013, on a commencé à explorer justement tout l'aspect de diversification pour justement arriver en 2014 à travailler avec des nouveaux secteurs. Et déjà là, on était très fiers parce qu'en 2014, on a confirmé qu'on avait établi un standard avec Wise dans l'industrie. Dans les nouveaux secteurs, justement, on peut regarder tout ce qui était naturel pour nous, qui était le AR, VR, l'automotive, l'automobile, le location-based entertainment, la simulation, on va en parler un petit peu après. Mais c'était vraiment les secteurs qui étaient les plus naturels pour nous pour continuer notre expansion. Et aussi, on devait de continuer notre expansion vers d'autres territoires, dont la Chine et l'Europe, qui étaient très importants. Et aujourd'hui, on regarde que l'Asie, justement, sont les territoires les plus importants au niveau de la croissance dans le jeu vidéo. En même temps aussi, en 2014, parce que dès le début, le plus grand obstacle qu'on a eu, quand j'ai dit tantôt que l'audio était une commodité, c'est qu'on se devait d'éduquer les gens sur la valeur communicationnelle de l'audio. Et puis, ça a été un travail énorme d'évangélisation jusque justement en 2014 pour réaliser qu'on avait collaboré à établir un nouveau métier, qui est le sound designer au niveau de l'interactif, et qu'on se devait, en étant responsable, de créer un programme éducatif qu'on est très fiers aujourd'hui, qui est enseigné dans plein d'universités et d'institutions dans le monde. Et puis, c'est cela. À travers la diversification, dès 2014, on a commencé à travailler au niveau du secteur de l'automobile, qui est un énorme parcours, mais qui est très intéressant. Et sachant qu'aujourd'hui, l'automobile vit une transformation complète entre le hardware et s'est rendu un ordinateur sur quatre roues, et qu'on avait justement un rôle à jouer dans cet environnement-là. Et puis, en continuant, on a développé avec un énorme partenaire européen le premier véhicule prototype qui incluait Wise en 2017, qui a été présenté au CES. Et puis, à partir de là, on savait que la problématique à laquelle on faisait face, c'est qu'on était trop petit pour être grand et trop grand pour être petit, si je peux dire, et puis qu'il fallait absolument trouver un partenaire stratégique avec qui on pourrait grandir et nous permettre justement d'atteindre les objectifs qu'on avait dans les différents secteurs. Et puis, après plus de 2 ans de recherche, on a trouvé ce partenaire-là, qui est Sony. En 2019, ils ont fait l'acquisition d'Audiokinetic, qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui, et qui nous permet justement de continuer notre croissance et puis d'atteindre nos objectifs dans différents secteurs. Après ça, en 2020, bien, il y a eu la création aussi de l'entité chinoise, qui est un énorme défi.
Et puis, juste vous donner une idée, justement, Audio Kinétique de par le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est justement un siège social à Montréal, une filiale à Shanghai, une filiale à Tokyo et des produits experts à Seattle et à Copenhague. Ça représente au-delà de 1500 partenaires et clients. On est enseigné dans plus de 325 universités et institutions académiques dans le monde et on a créé le plus gros blog d'audio interactif. Qui a 45 000 abonnés qui lit constamment chaque semaine. En même temps, vous donnez quelques statistiques. C'est vrai, Patrick l'a mentionné, aujourd'hui, 65 % des jeux planétaires qui sont faits dans le AAA utilisent WISE. C'est plus de 1000 titres par année qui est développé avec WISE globalement. Et intéressant, deux tiers des emplois qui sont affichés, demandent, requièrent une expérience avec WISE. Et il y a aussi au niveau de tout ce qui est produit AR-VR, qui est au-delà de 1000 produits qui ont été développés à ce jour avec WISE. Tout ça, je l'ai dit au début, se bâtit vraiment et pour chaque secteur avec des partenaires. Et quand tu rentres dans un secteur que tu ne connais pas, tu te dois de faire tes devoirs, mais de trouver le bon partenaire avec qui, justement, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et justement, une des grandes forces, c'est qu'on a bâti des partenariats dans plein de secteurs, et puis avec des gens, et qu'on travaille extrêmement bien avec ces gens-là depuis longtemps. Fait intéressant, après ça, dans notre environnement concurrentiel, si on regarde la prochaine slide, c'est des données qui ont été, c'est un sondage qui a été fait aux États-Unis en 2019 qui démontre notre position en tant que solution audio interactive par rapport à la compétition. Très intéressant, on en est très fiers. Et puis, dernier point justement, ben, pour nous c'est intéressant parce que comme j'ai dit, le jeu vidéo restera toujours notre secteur de prédilection. C'est là vraiment qu'ils sont les plus grands créateurs, qui sont importants parce que c'est eux aujourd'hui qui dictent et qui nous inspirent à développer ce qu'on est, la technologie et les nouvelles versions qu'on fait. Et ce qui nous permet en même temps de prendre ça et de le ramener dans d'autres secteurs aussi. Notre stratégie en même temps, c'est de permettre à ces créateurs-là aussi de dire, ben là, ça fait 10 ans que tu fais du jeu vidéo, pourquoi tu n'irais pas faire une expérience, soit justement des rides à Disney dans lesquels nous sommes, chez Universal aussi, ou de construire justement un environnement audio pour un automobile. Fait que c'est vraiment tous des secteurs sur lesquels on voit qu'il y a un énorme besoin au niveau d'interactivité sur lesquels on développe. Et en dernier, le plus important pour nous quand on regarde l'aspect des partenaires et qui est vraiment notre pilier central de cette entreprise-là, c'est notre communauté. Cette communauté-là, elle se compose, j'en ai parlé, autant d'étudiants à travers le monde. On a des instructeurs qu'on forme aussi pour ces institutions-là. On a au-delà de plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde et tout ça en travaillant directement avec les manufacturiers qui fabriquent les plateformes et des partenaires stratégiques qui font de l'innovation parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on fait tout, mais au contraire, c'est qu'on va aller chercher les meilleures technologies pour les amalgamer avec nous et justement permettre aux utilisateurs de tout le temps avoir de l'innovation. C'est cela. Fait que, grosso modo, c'est le profil de Audio Kinétique qui me fait plaisir et je vous laisse sur une pensée qui nous inspire depuis le début, nous autres, chez Audio Kinétique. Merci. Parce que, tu sais, je vous connais depuis plusieurs années, puis à chaque fois que je veux voir, il y a toujours quelque chose de nouveau, une petite idée nouvelle. Je me souviens encore d'avoir entendu deux de tes ingénieurs de son qui tentait de trouver la meilleure façon pour faire passer, de simuler le son d'un tir de pistolet dans un jeu qui passait à travers un mur, comment on allait l'entendre de l'autre bord. Puis ça, c'était une grosse affaire. Écoute, c'est extraordinaire. Technologie, art, son, ce que vous avez réussi à faire, c'est vraiment bon. Tu as parlé beaucoup des alliances externes. Oui. J'aimerais ça te ramener au début
Et puis, nous va parler un peu, parce que moi j'égale alliance avec relations durables. Tu sais? Fait que, parle-moi un peu tes premiers employés. T'en es la preuve, justement, qu'après tout ce temps long, on travaille encore ensemble. Ah, exactement. Fait que, ben oui, ben, t'as raison, on est de la même école pour ça. Fait que, les premiers, tu as parlé de Simon. Simon, je le connais depuis le début aussi. Il y en a une couple, tu as un noyau, il s'agrandit, tout ça. L'importance de trouver la bonne équipe en partant et de. Pardon de ça un peu. Ben écoute, je t'avoue, Patrick, que je suis extrêmement privilégié. Pour moi, je pense que le rôle, justement, d'un dirigeant, c'est de s'entourer. Et de s'entourer, je dirais souvent, de meilleur que soi, pour s'assurer, justement, dans tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est extrêmement complexe, que ce soit autant au niveau de la recherche, le développement, le marketing, les finances, de s'entourer de gens, justement, qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ce qui est fabuleux, puis j'ai parlé des valeurs tantôt, c'est que chez Audiokinétique, on a des gens dont Simon, dont Martin Dufour, qui est notre CTO, qu'on a des Bernard Rodrigue, on a des gens aussi qui sont là, des Mathieu Jean, qui sont là depuis tellement longtemps. Et je crois, et je reviens là-dessus, c'est basé sur les valeurs sur lesquelles on a fondé, parce que je crois pertinemment que, oui, faut vraiment, on dépense beaucoup d'énergie à travailler tous les jours, mais il faut vraiment avoir du plaisir, puis il faut avoir une liberté de création en même temps aussi. Moi, j'ai toujours prêché pour la responsabilisation des gens, et je le dois ça, et puis je suis très fier aujourd'hui parce que ces gens-là nous suivent depuis des années. Pour parler des partenaires stratégiques, pour moi, c'est un peu la même vision, puis c'est pas... je dirais que c'est pas faux de s'avoir associé avec Sony parce que dans la culture japonaise, les relations, c'est long à établir, mais une fois qu'il s'est établi, c'est pour la vie. Et pour moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment touché, même des Japonais aussi, c'est d'être capable de bâtir cette relation-là et d'établir les choses avec les gens. Fait que oui, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais j'aimerais ça. Moi, j'ajoute quelque chose. Quand dans une relation, n'importe quel type de relation, il faut toujours gérer les attentes. Il faut une communication à mettre en place. Oui. Tu sais, il faut se parler tout le temps parce que les attentes individuelles changent, ce qui mène à des fois pas des conflits, mais des bonnes discussions. Tu sais, c'est normal. Oui. Qui nous amène habituellement vers un consensus qui va être le meilleur. Fait que là, tu as parlé des employés, mais moi, j'aimerais ça t'amener. On a des startups là, qui nous écoutent. Là. Dans la même veine, parler des actionnaires, les premiers. Tu sais, ceux qui arrivent, comment on les gère, comment on travaille avec eux, on leur parle, tu sais, on veut pas qu'il y ait des expectatives qui sont trop grandes par rapport à où est-ce qu'on est. Comment tu vois ça, ce parti-là? Bien, je dois avouer que c'est très dur, tu sais, puis c'est sûr que toute entreprise, le départ se fait par du financement qui est une pierre angulaire et puis qui est, je dirais plus simple au Québec, il faut quand même ramener Audiokinétique en 2003, l'éclatement de la bulle, où ce que personne ne voulait financer des technologies. Et puis, ça a été quand même très complexe. Écoute, je t'avoue que je pourrais écrire un livre sur le parcours qu'on a vécu. Quand je te dis que moi, il fallait que je trouve de l'argent à chaque deux semaines pour financer mes payes, puis je savais que si j'en manquais une, c'était la fin. Mais c'est... C'est très important. L'attente, je dirais, en même temps aussi du financement, c'est que tu travailles avec des partenaires, puis premièrement, tu dois toi-même essayer d'exprimer dans un street language qu'est-ce que tu fais, parce que c'est souvent complexe la technologie. D'exposer ça pour que les gens comprennent, puis d'exposer ta vision, parce que les gens investissent sur toi. Oui, ils investissent dans ton entreprise, ils investissent dans ta technologie. Mais encore là, je ramène ça sur le côté humain, c'est ils investissent dans des gens. Et c'est de croire en ces gens-là. C'est sûr qu'au début, on est tout le temps un peu plus mal placé pour parler et faire des choix. Et souvent, on va faire des choix qui sont pas simples, mais qu'on se dit, ben quand on va arriver au pont, on sera capable d'agir différemment. Et qu'avec les années, ben les choses changent. Mais c'est un parcours du combattant et je le pense que c'est pour chaque entrepreneur. Moi-même, je dois dire qu'au début, le rôle et la vision que j'avais d'un entrepreneur n'est plus la même aujourd'hui. Comment ça a changé?
Ça a changé dans le sens que, bon, premièrement, au début, c'est sûr que tu es un one-man show et tu gères tout. Mais en même temps, je pensais être capable pour moi de garder beaucoup, une partie de mon rôle près de la technologie et des choix. Mais je me suis tellement bien entouré, j'ai des gens tellement de confiance aujourd'hui que mon rôle est ailleurs aujourd'hui. Quand on parle d'alliance stratégique, quand on parle de partenariat, et tout ça, c'est vraiment plus là que mon rôle s'est déplacé que d'être à chaque jour, justement, près de la technologie et développer ces choses-là. Oui, il reste quand même qu'il y a un suivi, mais mon rôle s'est transformé à un autre niveau. Est-ce que c'était la vision que j'avais il y a 20 ans? Peut-être pas, mais c'est ce qu'on dit. Je disais au début, tout ça est organique, on se transforme et il faut s'adapter justement aux besoins d'une entreprise. Ouais, j'ai entendu cette expression-là là, par d'autres. C'est un certain. Au début, on travaille dans l'entreprise, mais quand elle évolue, on se met à travailler sur l'entreprise parce Ouais, c'est bien on a du dit. bon monde dedans. Hein? Ouais. Ça se dit Exactement, mieux en anglais, là, exactement. mais. Puis je pense que Dis-moi. c'est ça le rôle, le plus grand rôle justement d'un dirigeant, c'est de bien s'entourer et de mettre sa confiance dans les mains des gens. Ouais. Et c'est Fait vice qu'avant. versa. Avant ma prochaine question, je vais juste faire un petit message à tout le monde. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Martin, n'hésitez pas, là, mettez-les dans le chat. Je vais être votre porte-parole tantôt là, pour lui poser. Parlons un peu de recherche-développement et d'innovation, Martin. L'importance de Ouais. ça, puis l'importance du contexte québécois là-dedans, là. Comment il peut nous aider? Ben, tu vois, j'ai mentionné tantôt parce que ce qui est drôle, c'est que pendant les 3 premières années, entre 2003 et 2006, on n'avait pas on faisait pas face à des clients. Fait qu'on était dans notre propre monde à développer un outil, en recherche, en développement. Et puis, par contre, quand on est rentré en marché, les choses ont complètement changé. Et ça, j'avais averti les gens parce que là, justement, c'est qu'on devait prendre la demande du marché et les besoins du marché pour bien rencontrer justement ces choses-là. Par contre, en tant que petite entreprise, souvent, la problématique, c'est que tu peux pas te permettre d'avoir un département de recherche puis un département de développement. Au début, tu es purement dans le développement et puis t'assurer justement que tu poursuis ton parcours et développer des nouvelles versions. Mais justement, c'est à chaque marche que tu montes, ça devient fondamental de t'assurer que tu peux justement mettre des gens qui vont être dédiés à faire de la recherche. Parce que la recherche, pour moi, c'est de la pérennité. C'est ce qui fait justement qu'on va continuer d'innover. Je crois fondamentalement que la position qu'on a aujourd'hui, si on arrêtait de faire de la recherche, ça serait pas long qu'on serait plus en marché. Parce que justement, on vit sur l'innovation. Et à répondre à des besoins qui sont multiples. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que encore aujourd'hui à certains niveaux, là, mais on était très confronté à la capacité, puis tu en as parlé au début justement, des ordinateurs à pouvoir livrer notre vision. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Puis quand on regarde le futur, encore, on se dit, on va tellement aller plus loin. On est vraiment à une croisée des chemins. Mais il reste quand même que la recherche, puis je dirais pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche qui est appliquée. Et il faut que ce soit un noyau dur d'une entreprise. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Tu as mentionné Microsoft comme ton premier, disons, ton alpha, là, donc ton Oui. client, ça va être une grosse différence. Ça aussi, tu sais, c'est une étape importante dans la plupart de la vie des startups, c'est de trouver le premier, l'alpha, le client qui va démontrer, pas juste que la technologie marche, mais qu'il y a un marché pour Oui. arriver à ce que le premier client dise oui, là, hein? Hein? Dire oui, je vais prendre une chance avec toi, parle-moi donc de ça, parce qu'on sait que c'est pas facile. Ben, c'est un jeu de domino, premièrement. Mais en même temps aussi, il y a une chose, c'est comme j'ai dit, tu sais, il faut absolument faire ses devoirs. Faire ses devoirs, c'est comprendre parce que, tu sais, avoir une idée, c'est une chose, mais savoir qu'elle répond à un besoin, c'est une autre chose aussi. Et puis, on a eu la chance aussi au début, pendant les années 2004-2005, quand même, de travailler en collaboration avec Ubisoft, qui a pris plus de temps pour devenir client. Puis ça, je respecte ça, parce qu'on avait tellement investi dans un outil chez eux pendant toutes ces années-là qu'on se disait, ben, on n'est pas pour changer pour l'instant. Mais aujourd'hui, ben, ce sont des utilisateurs de Wise.
Mais c'est ça. Et puis, oui, se rendre au premier partenaire qui est le domino qui va faire tomber tout le reste, c'est un long parcours. Intéressant justement parce qu'il reste quand même que chez Microsoft à l'époque, tu avais vraiment des gens qui avaient une très belle vision de la valeur communicationnelle de l'audio et qui nous a permis de travailler avec eux autres, de répondre justement à regarder les besoins, puis qui se sont dit, OK, nous, là, on croit en vous autres, on va embarquer, puis on va aller vers un premier titre. Qui était justement le premier titre qui est sorti en 2006. Oui, c'est ça. Mais c'est un, comme tu le dis, c'est un long parcours. C'est pas, si, c'était le premier, mais c'est pas le seul qu'on a approché. Il y a Exactement. plusieurs, Il en a approché plusieurs noms avant plusieurs. d'avoir un oui, hein. Il y a plusieurs noms avant d'avoir un oui, Exactement. puis ça, c'est faut pas arrêter. Hein, puis ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes à prendre en compte là, quand on se part un start-up. Hein. Ben C'est écoute, long. je reprendrai tout le temps la petite histoire du colonel Sanders, qui a lui, dont son but, c'était pas de développer un restaurant, mais qui avait développé une formule pour du poulet et qui a eu 2600 refus avant de se dire, ben, je vais le faire moi-même. C'est ça. Quand même, hein? Une autre phrase que j'entends souvent et que je trouve très bonne, c'est ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un succès instantané. Hein, on a l'impression quand quelqu'un sort dans le journal, oh, il a réussi ça à faire que ah, ben, c'est arrivé hier, puis là, toc. Non, 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 ça fait souvent des années, des mois qu'il travaille sur une relation, sur une technologie. Il faut être patient, Bien, mais écoute, ça. oui, bâtir une entreprise, c'est un minimum de 10 ans avant vraiment d'arriver à établir quelque chose. Tu sais, moi-même, comme n'importe quel entrepreneur, mais j'étais entrepreneur avant ça aussi dans ma vie, fait que j'avais quand même une meilleure idée. Mais tu sais, on est enthousiaste puis on pense que tout va se passer instantanément. Ça, il faut s'accrocher. Moi, je dois dire que le succès, c'est la persévérance. Des gens qui vont D'accord. persévérer vont arriver à leur fin s'ils ont eu la bonne vision avec le bon produit. Mais c'est une question toujours de temps. Il faut être patient. Donc. J'aimerais ça te ramener, tu as mentionné que tu avais des bureaux au Japon puis à Shanghai, Oui. en Chine. Là, j'aimerais ça qu'on parle de. Souvent, c'est une vision là, des startups, c'est-à-dire hey, on va pouvoir s'implanter partout dans le monde, puis tout ça. Parlez de ça, là. Comment tu as réussi à aller dans différentes cultures et t'adapter à la culture? C'est bien, oui. Ben, tu vois, si on prend l'exemple du Japon qui a été la première filiale après Montréal, nous, on a commencé, comme je l'ai mentionné, en 2006 à voyager au Japon. Et puis, à travers différentes, justement, approches avec des compagnies majeures là-bas, on a eu notre premier breakthrough, si je peux me permettre, en 2009, où ce que justement Konami a dit, écoute, oui, on y va, on va embarquer sur un gros titre qui est leur titre phare en plus, et puis qui s'est terminé, qui a été lancé justement à l'ouverture de nos bureaux. Mais entre 2011 et 2013, qui a été le lancement d'Audio Kinetic Kaka, j'allais au Japon une fois par mois. Et puis, l'important dans ça, c'est, pour nous, c'était de comprendre premièrement la culture, qu'est-ce qu'on devait faire pour s'adapter, et puis comment on devait livrer nos solutions aussi, et comment on devait servir nos clients et comprendre cette culture-là, parce que ça reste hyper important. J'ai vu tellement d'entreprises dire, ah, oh, on débarque et puis on essaye de pousser notre produit, mais sans essayer de s'adapter, puis ils repartent, excuse-moi, avec les deux jambes, parce que justement, au bout de la ligne, c'est comme, ils n'ont pas compris que tu ne peux pas arriver justement dans un territoire, dans une culture, sans pouvoir t'adapter. Et puis ça a été une belle leçon qu'on a répliquée, parce que là, justement, en Chine, et là qu'on est en train de faire en Europe aussi, mais oui, excuse-moi, vas-y. Non, en fait, je voulais poser la question, tu m'as dit que tu y allais une fois par mois, mais est-ce que tu as continué à être direct ou une des premières étapes, ça a été de
trouver du monde local qui allait pouvoir t'aider à aller voir ce monde-là. Comment vous avez fait ça? Bien, c'est une très bonne question. Merci d'en parler. Au Canada et au Québec, je dirais qu'on est privilégié parce que les systèmes à travers les ambassades, tu as justement ce qu'on appelle des trade commissioners qui travaillent et qui représentent les sociétés canadiennes et québécoises à l'extérieur, partout dans le monde. Et c'est un des plus beaux réseaux dans tous les pays que le Canada a. Nous, quand on est arrivé au Japon, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis avec ces trade commissioners-là pour comprendre. C'est des gens qui nous ont aidés, c'est des gens qui ont fait des appels directement à des compagnies qui se nous ont introduits. Et je te dis, dans un endroit comme le Japon ou la Chine, d'être présenté par ton gouvernement, c'est quelque chose de très grand parce que ça les met en confiance en même temps aussi. Et ça, ils ont fait un boulot exceptionnel. Écoute, en 2013, quand on a lancé la filiale, à l'époque, le premier ministre du Canada, c'était Harper. Ils ont sorti un communiqué et lui faisait justement à ce moment-là un voyage commercial là-bas. Ils ont annoncé l'ouverture de nos bureaux. Fait que ça a eu quand même un impact très fort auprès justement des Japonais sur lesquels ça nous a permis d'aller plus loin. Mais ça, tous les entrepreneurs travaillaient avec ces réseaux-là. Le Québec en a un très beau. Ils travaillent aussi en collaboration avec le fédéral. Et vraiment, là, ils sont là, ces gens-là, pour nous aider. Et ça a été une grosse partie du développement qu'on a fait partout. En Europe aussi. Et puis, pendant des années, justement, nous, on fait à chaque année ce qu'on appelle un Wise Tour, qui est justement, on prend les plus grands titres phares de l'année et puis les créateurs viennent démontrer comment ils ont bâti leur titre. Et on en fait en Europe, en Asie, partout. Et généralement, on le fait longtemps par les circuits des ambassades. Fait que c'était très intéressant, ouais. Puis là, maintenant. Depuis, oh, je suis pas sûr, c'est 1 an ou 2 là, à Sony. Oui, En Sony, fait, ça fait c'est plus en longtemps que ça janvier que tu travailles avec 2019. eux. Ça, j'ai envie de vous dire, Oui. mais tu travailles avec eux depuis avant ça. Mais fait Oui. donc, explique-moi ça a commencé comment? Puis là, la décision s'est faite comment de rendre cette relation-là beaucoup plus formelle, disons? Je peux dire ça comme ça? Ben, tu vois, ces partenaires-là, puis quand on travaille au niveau de la technologie qu'on travaille, nous, on doit travailler avec les manufacturiers qui créent les plateformes. Bâtir ces relations-là, surtout à l'époque, si je me ramène en 2004, 2005, 2006, c'était extrêmement complexe. Et puis, bon, ben, t'es le jeune nouveau qui arrive. Fait que finalement, un moment, tu obtiens ta certification pour travailler avec eux sur ces plateformes-là pour développer. Mais tranquillement, tu bâtis une relation avec eux. Et justement, ça a été très intéressant parce qu'avec Sony, quand eux, ils ont commencé à penser à la PSVR aussi, on a collaboré avec eux autres à ce niveau-là. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même un des pionniers de l'audio 360. Et puis, ce qui était naturel pour nous autres. Et de collaborer avec eux autres dans le développement et toutes ces choses-là. Et puis, autant qu'on travaille aussi très près avec Microsoft, Nintendo, et puis c'était en même temps tragique de dire, écoute, si on s'en va à un partenaire Sony, comment les autres vont réagir, comment l'industrie va réagir. Et j'avoue que probablement qu'en 2015, en 2010, ça n'aurait jamais été possible. Mais je pense que les grandes entreprises aujourd'hui ont compris que justement, la collaboration, amène tout le monde plus loin. Et ça, c'est très important. Et puis, nous, justement, quand on a commencé à réfléchir en 2016-2017, que ça nous prenait un partenaire stratégique pour aller plus loin, on a fait une liste. Et c'était basé justement sur le respect des gens qui vont respecter notre culture, qui vont respecter notre indépendance, parce que sinon, c'était impossible. Parce qu'on travaille autant sur la technologie chez Microsoft, chez Nintendo et d'autres manufacturiers, et être au sein d'une compagnie qui est un compétiteur, mais en mettant ces valeurs-là sur la table chez Sony, eux, ils ont dit oui, nous on embarque, puis ils ont une culture très similaire à nous. Fait que ça a été un naturel. Et puis, c'était vraiment un super beau choix stratégique. Mais c'est
tout ça, c'est du temps. C'est établir des relations, justement, à long terme et démontrer. Tu sais, c'est la même chose. Aujourd'hui, on fait beaucoup de consultations, on développe des choses spécifiques pour plein d'entreprises. Au début, les gens ne te demandent pas ça parce qu'il y a une question d'établir des bases et d'avoir une relation de confiance. Aujourd'hui, c'est là que ça devient intéressant. Dis-moi, Sony, quand tu les as approchés, tu as fait ta liste de 10 ou à peu près là, de partenaires potentiels. Puis là, c'est sûr que, tu sais, stratégique, toi, petit gros, hein, tu sais, dans le sens, il y a quand même une relation à mettre en place. Chine, ça veut quand même dire petit. Hein? La question que, tu sais, tantôt au début, là, je disais une relation durable, c'est basé sur les expectatives. À quel moment, dans la relation de leur parler à ces compagnies-là, tu as commencé tout de suite à dire, moi, là, voici où j'arrête. Voici mes limites, là. Si vous me demandez plus que ça, moi, je veux garder, par exemple, ma culture, je veux garder mes affaires. Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Est-ce que tu amènes ça tout de suite? Est-ce que tu l'amènes rapidement dans une conversation avec un stratégique? Pour nous autres, c'était naturel. C'était la première rencontre sur le sujet de partenariat. Il y avait ces quatre éléments-là sur la table et si ça ne pouvait pas être rencontré, ça ne servait à rien de continuer. Il y a quand même une balance d'arrogance, petit gros, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tu sois trop arrogant, mais on juge ça en fonction de quoi? La culture, justement, de l'autre bord? Oui, je pense la culture. Et puis, comme je dis, il reste quand même que les choses ont beaucoup changé dans plusieurs entreprises. Tu vois, beaucoup de partenariats entre des grandes entreprises. Écoute, Sony a des partenariats avec Microsoft, Sony a des partenariats avec Amazon, et c'est ça qui se passe aujourd'hui aussi pour aller plus loin. Et c'est pour ça que je disais, il y a 10 ans, ça n'aurait jamais été possible de faire une chose comme ça. Nous, en plus, c'était notre peur aussi de la réaction du marché, mais les gens ont compris, et puis, bon, depuis 2 ans, ils ont bien compris qu'on est parfaitement neutre et indépendant et on continue à faire ce qu'on fait. Mais ça doit se faire, puis je suis d'accord que ça peut paraître de l'arrogance, mais en même temps, on sait que si ça n'est pas possible, le reste n'est pas possible. Fait que il y a un moment, tu te dis oui, puis pour moi, en même temps, sans être arrogant, et je ramène le fait de dire que on dit en anglais « business is people », on revient sur les relations. Que tu sois la plus grande compagnie du monde, et je me suis déjà fait dire, moi, par des compagnies, on est telle compagnie, excuse, c'est comme nous aussi, puis dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est d'être capable de se parler au même niveau entre humains et puis d'être capable de fonctionner. Si ça, c'est pas possible, ben gars, on passe à d'autres choses, puis on continue avec d'autres partenaires. Mais moi, je pense que c'est bon. Oui, je suis d'accord avec toi parce que... Ouais, excuse-moi, je te coupe. Non, tu as raison. Mais tu as raison. Ouais, petite entreprise à petite entreprise, que tu vends du B2B, du B2C, de grande entreprise à grande entreprise, de petite à grande, au bout de la ligne, il y a une personne qui prend la décision d'acheter ou pas. Puis cette personne-là, il faut que tu établisses une bonne relation avec, puis si tu veux continuer une relation durable, une alliance, comme on dit. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu as parlé brièvement de t'être lancé dans l'aventure de l'automobile. Et tu pourrais peut-être en parler un petit peu plus, puis voir, parce que je sais que c'est formellement relativement récent, mais ça fait longtemps que je n'entends parler, que vous faites des tests là-dessus. Fait que peut-être en parler un petit peu plus. Ouais. Ben écoute, c'est drôle parce que justement, quand on a commencé à regarder en 2014 la diversification, pour moi, l'automobile, je me disais, il y a vraiment une valeur ajoutée, là, puis d'aller jouer. Bon, les gens, quand on parle d'automobile, vont se dire, parce qu'on est plus dans des secteurs du divertissement, on va toucher le côté plus divertissement, infotainment system, toutes ces choses-là. Mais pour moi, l'audio devenait aussi une valeur importante au niveau de sécurité. Et là, tu te dis, OK, wow. Et puis, souvent, je prends cette histoire-là, c'est que, tu sais, ça a été démontré que 78% des accidents en auto sont causés par des distractions visuelles intérieures ou extérieures.
et puis que l'humain peut regarder seulement à une application visuelle en tant qu'information à la fois. L'audio, on a démontré qu'on pouvait gérer jusqu'à 8 sources différentes en même temps au niveau de l'information. Et l'oreille est le seul muscle qui ne dort jamais. Fait que de là, c'est intéressant. Et sachant en même temps que là, si on était capable de ramener de l'information au conducteur et aux usagers dans l'auto, aux passagers, excuse-moi, on était capable justement en 360 de ramener de l'information qui est viable, qui est très importante au niveau de la sécurité. Et c'est là-dessus qu'on a misé beaucoup justement depuis 2014 et en même temps aussi à travers l'infotainment d'amener un système qui est beaucoup plus au niveau de l'expérience, qui est beaucoup plus. Un fait important aussi où ce qu'on joue un rôle, c'est ce qu'on appelle AVAS. Bon, les autos électriques aujourd'hui, c'est de plus en plus que ça grandit. Et puis, la problématique qu'on a, c'est que dans l'automobile électrique, on ne génère aucun son. Et on s'est aperçu mondialement qu'il y a eu plusieurs accidents au niveau justement des piétons parce qu'ils n'avaient pas entendu l'auto arriver. À partir de là, c'est d'être capable de recréer des sons de moteur à l'extérieur pour justement permettre aux usagers. Et là, on voit que de plein en plein de pays sont en train de mettre des règles en place pour s'assurer que toutes les autos électriques génèrent un son en bas de 40 km. Et ça, c'est un autre aspect sur lequel on joue beaucoup aussi, c'est tout l'aspect AVAS. Ouais. Okay. Donc, production de son extérieur, production de son intérieur et écoute des sons. Donc, il y a des senseurs autour de la voiture, c'est ça? Exactement. Bien, il y a des senseurs. Aujourd'hui, en plus, les autos communiquent entre eux autres, donnent des positions, donnent des vitesses, donnent plein d'informations. Et on est capable, à partir de là, justement, de donner de l'information. Je prends souvent l'analogie quand tu conduis que si ton GPS te dit « Patrick, tourne dans 500 mètres à droite », tu fais comme « Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton GPS, tu n'as plus les yeux sur la route. » Fait que tu deviens un danger public. Et puis, au lieu de justement te communiquer cette information-là auditive d'une autre façon, et puis que tu vas parfaitement savoir c'est quand tu dois tourner, et puis c'est ça. Fait que ça aussi, c'est important. C'est permettre au moins au conducteur d'avoir les yeux sur la route. Tu as dit qu'une des raisons pour que vous êtes lancé là-dedans, c'était la diversification. Tu tentais de voir d'autres, oui. D'autres secteurs dans lesquels tu pouvais aller. C'est quoi l'avenir pour Audio Kinétique? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est de prendre un vase d'eau? Non, mais l'avenir pour Audio Kinétique, et puis je pense que oui, tu sais, j'ai mentionné tantôt que l'interactivité, c'est quelque chose qui grandit chez tous les jours dans nos environnements, que ce soit dans notre maison, on est rendu que nos frigidaires nous parlent, on est rendu qu'on communique avec tout. Justement les différentes choses qu'on possède à la maison. Et puis, je pense que justement, l'audio, encore là aussi, vient jouer un rôle dans toutes les applications interactives. Ce qui nous intéresse aussi, on regarde la robotique qui grandit. Tous ces éléments-là où ce qu'on peut jouer un rôle, justement, pour apporter l'audio à ce niveau-là. Pour moi, je trouve que l'horizon, c'est de plus en plus s'élargit chez Audio Kinétique, justement, parce qu'il y a de plus en plus de besoins, qu'ils soient autant au niveau du divertissement, autant au niveau de la sécurité. C'est ça, tu sais. Puis, c'est sûr qu'on rêve d'avoir des environnements qui se transforment au niveau audio, d'être capable de faire des choses de même et d'évoluer. Mais je pense que, tu sais, qu'on parlait déjà là, tu sais, on est rendu dans des parcs thématiques, chez Disney, chez Universal. Fait qu'on touche à vraiment plein d'aspects aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des applications, les usagers veulent absolument les adapter. Hein, tu as ton téléphone, ben tu adaptes ton téléphone comme tu veux. Et ces applications-là, fait que c'est intéressant aussi de donner la possibilité à ces gens-là de,
de pouvoir donner un profil personnel à ces objets-là. Et c'est là qu'on joue un rôle en même temps aussi. Ouais. On a mentionné tantôt, là, tu l'as mentionné brièvement, là, mais entre 2004-2005, puis maintenant, au niveau production de son, écoute, les plateformes ont complètement changé la mémoire. Écoute, on pourrait y aller. Là. Il y a plein de raisons pourquoi technologiquement, c'est plus simple maintenant que ça l'était dans ce temps-là. Tu avais des restrictions, je me souviens, les premières fois on se parlait, c'était vraiment quelque chose, les restrictions. Là. Ouais. C'était drôle, c'était un choix qu'il fallait qu'ils fassent les producteurs entre une bonne image ou un bon son. En tout cas, bref, il y avait plein de choses. Ouais. Bon, là, on est là maintenant. Où c'est, qu'est-ce que tu... Je mets ton œil, là, ton œil de futuriste. Là. Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient, qui va changer ton domaine ou qui a des bonnes chances de l'impacter de façon importante? Bien, chose intéressante, même Sony, quand ils ont fait l'acquisition, en passant, Sony, ça veut dire son. Eux, l'avenir est dans le son. C'est pas qu'on a atteint le plafond au niveau visuel, mais tu sais, aujourd'hui, le rendu visuel, c'est hallucinant. Et on s'aperçoit que le côté immersif, parce que de plus en plus, et ça, je l'ai tout le temps dit, si tu as ton jeu sur un téléphone, c'est tellement petit que la seule immersion que tu peux avoir, c'est à travers l'audio. Mm-hmm. Et puis, c'est de miser sur ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous autres, quand on regarde l'avenir et on parle de géométrie, et d'être capable de, justement, t'as parlé tantôt, tu disais la balle qui traverse le mur. Mais cette balle-là, pour qu'elle traverse le mur, elle tient compte d'un environnement physique, elle tient compte d'une densité de matériaux, elle tient compte de plein de choses. Et c'est ça qu'on est en train de recréer. C'est là-dessus qu'on est en train de regarder puis se dire, ben justement, et cette géométrie-là va permettre d'aller tellement plus loin. Oui, elle demande tellement de calculs que la capacité, puis ça, on le savait depuis longtemps, mais on n'avait pas la capacité de le faire, mais dans l'avenir, toutes ces choses-là s'en viennent. Et puis, c'est pour ça qu'on développe de plus en plus des modules à travers WISE, qui est justement des réverbérations qui permettent de gérer un environnement de façon naturelle, parce que c'est quand tu te déplaces, il y a des occlusions, il y a des obstructions, il y a des choses qui font que l'environnement se transforme. Bien, aujourd'hui, en utilisant la modélisation, on est capable d'aller beaucoup plus loin et puis d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ça ne veut pas dire que c'est le but d'être réaliste à la fin, parce que ça dépend vraiment de la vision du créateur, mais c'est ça. Fait que ça devient extrêmement complexe. Tu sais, je disais tantôt, on est parti de 400 sons en 1997. Aujourd'hui, il y a des jeux qui gèrent au-dessus d'un million de... d'éléments sonores. C'est complètement fou, tu sais. C'est ça. C'est extrêmement complexe, mais ça devient hyper intéressant. Puis je l'ai tout le temps dit, je regarde, il y a des utilisateurs qui font des choses. Pour nous autres, on regarde ça et on se dit, waouh, ça dépasse notre entendement à savoir que ça peut aller aussi loin que ça. Ouais. Ouais. Donc, ouais, donc, on va aller dans les questions du public bientôt. Oui, je me suis fait dire qu'il fallait des questions du public. Donc, est-ce qu'elle va s'afficher, la question? Ah, Véronique Levert demande, pour les créateurs de contenu XR, par où commencer si on veut intégrer l'outil WISE? Bien, il faudrait savoir, nous, généralement, WISE, c'est un outil qui est intégré à des moteurs comme Unity. Comme Unreal, il y a des compagnies aussi qui ont leur propre moteur de jeu qui est propriétaire. Mais nous, on a déjà des intégrations dans Unity, dans WISE. Et je ne sais pas, Véronique, sur quel outil vous travaillez, mais ces intégrations-là existent déjà. Fait que c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça. Déjà là. Autrement dit, est-ce que tu choisis en tant que producteur de jeu ou producteur d'effets, tu choisis ton engin avant comme Unreal, puis après ça, tu dis je vais prendre WISE ou tu aimerais bien que ce soit le contraire, on va prendre WISE, fait que là, il faut trouver un engin qui fait avec. Ce serait bon. Hein? Oui, mais on répond à peu près à tous les engins. Okay. Bon, propriétaire, ça veut dire qu'ils vont faire leur propre intégration. Mais je dois dire aujourd'hui que les deux outils prédominants, là, qui représentent à peu près 75% du marché, c'est Unreal et Unity.
Fait que ça devient très simple parce que nous, on maintient ces intégrations-là et puis ça fait que ça donne accès sans problème aux usagers. Quel conseil donneriez-vous? Ouais. Tu veux que je la lis? Je vais faire ma job. Ouais, alors, quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs pour qui exportent? Tu en as déjà donné plusieurs, mais tu en as-tu d'autres à donner là, pour faciliter l'exportation? C'est une grande question parce que ça dépend toujours de l'approche des produits. Moi, je ne viens pas du monde non plus consommateur qui est du B2C, c'est un autre monde complètement. On est dans business to business. Mais je pense que, comme je disais, l'important, il faut toujours s'assurer une chose. Ça part du domino 1, comme tu as mentionné, de Microsoft, et d'établir une base pour avoir une certaine réputation. Ce qui te permet après ça d'arriver ailleurs et d'utiliser ça en même temps pour établir tes relations ailleurs. Exporter, il faut, tu sais, puis pour moi, c'est une super expérience parce que encore aujourd'hui, à chaque jour, j'apprends sur des nouveaux territoires, puis c'est complexe. Comme vous le savez aussi, chez EY, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau comptable, que ce soit au niveau législatif aussi, tout est complexe. Mais pour moi, c'est un plaisir de comprendre ça pour être capable après ça d'établir ce qu'on a à établir. Je pense qu'exporter, il faut bien s'assurer sur le territoire et bien comprendre le territoire sur lequel on va aller exporter. Et s'assurer qu'on peut trouver le bon partenaire, ça commence toujours par ça. Bien d'accord avec toi. Écoute, Martin, ça y est, on a fini notre heure. On est. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment. C'est un plaisir. J'ai appris plein de choses encore aujourd'hui, donc sur toi et sur Duokinetics. C'est fantastique. Je voudrais remercier le public d'avoir assisté, puis merci pour les questions. Moi aussi, j'aimerais remercier le public et j'aimerais remercier les gens chez vous pour cette invitation. Ça me fait plaisir. Ouais. Je trouve ça hyper important. Ça fait quelques années aussi que je fais du mentorat et puis de pouvoir transmettre cette expertise-là. Mais regardez, il n'y a pas de limite dans la vie. La seule limite qui appartient à l'homme, c'est celle qui s'impose lui-même. Fait qu'à partir de là, il faut voir grand, il faut pas avoir peur, il faut voir ses devoirs, mais c'est ça, trouver les bons partenaires tout le temps. Oui. Bien dit, Martin. Belle conclusion. Bien, merci. Merci à tous. À bientôt.